Yes. Gloire à Dieu. Yes. Yes. Gloire à Dieu. Oh yes. La braza da baraze de ke barada hala marazuha. Karibora baya shanda brai. Odoha kya braya wa surabaya. Shala maraza de kentere mawaranda. Ô esprit de la sainteté, Shamra Tarabawara Goto. Ô esprit de Jésus-Christ, Shambrandari Karababahutalaya. Ô esprit de la vérité, Shambrandelebekuru Abakarataya. Sambora Yekiribu Sirigaye. Ô le Saint-Esprit de Dieu, Paria Deleboshe. Que ce moment soit sanctifié. Que ce moment soit béni. Que ce moment soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Yes. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Je crois certainement que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis à ces lives spéciales, à ces lives de gloire, à ces lives de puissance, à ces lives de vérité, à ces lives de la révélation. Le Seigneur Jésus m'avait permis de voir une vision. C'était une expérience réelle que j'avais fait hier, le 7 février, très tôt le matin. Il m'a permis de voir le faux Christ. Et après avoir vu cela, je l'ai pu découvrir ce faux Christ. Et puis le Seigneur va me parler sur l'esprit de séduction qui est entré de souffler dans cette église du temps de la fin. C'est ça le but de ces lives. C'est ça le mobile de ces lives. Vous allez remarquer ces derniers temps, je ne fais pas des lives de l'école opérée dans le miraculeux. Je ne fais pas des services de l'impartation, parce que je suis que simple instrument du Seigneur Jésus, je suis son serviteur, mais je suis sorti pour partager cette expérience parce qu'il me l'a permis. Je vous demanderai de partager cela à gauche et à droite, permet à ce que ce message touche plusieurs personnes. Car c'est un message d'avertissement. C'est un message de la vie. Je vais vous expliquer cette scène. Et puis nous allons tabler la lumière de la parole de Dieu à ce qui concerne la dispensation du mystère de Dieu. Et à la fin, nous allons prier. Et la gloire de Dieu descendra. Soyez bénis encore, encore et encore. C'est votre serviteur, Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Merci de partager. Laissez vos commentaires si vous êtes là. Je vais quand même devoir vous voir. Laissez des commentaires si vous êtes là. Je vais devoir vous voir. Donc, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Faites-les. Et puis, je vais vous voir. Partagez cela. Rapidement, je veux voir comment est-ce que ça se passe ici. Nous sommes sur Facebook aujourd'hui.
Je vais voir est-ce que les choses ça se passe très bien. Merci déjà pour ceux qui sont entrés de laisser des commentaires. Aimez cela. Surtout partagez, 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 partagez. Je vois Yves Gounou que ça soit ainsi. Gloire à Dieu. Donc partagez, partagez. Signalez que nous sommes là. J'aimerais que vous puissiez partager dans des groupes. C'est live afin que une multitude de personnes puissent déjà nous joindre parce que le Seigneur va faire des grandes choses aujourd'hui et ça serait terrible. Alors, partagez cela de gauche à droite parce que je serai vraiment très bref. Très bref, je vais communiquer cette pensée, cette expérience de faux Christ. J'ai toujours entendu parler de faux Christ et faux Christ, mais hier j'avais vu et le Seigneur m'a donné des avertissements à annoncer à son Église. Donc partagez cela rapidement pour la gloire de Dieu et puis ça serait bon. Je ne vais pas dire moi si je vais partager à quelques personnes ici. Je partage juste à quelques personnes ici. Et là, faites cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je crois que ça marche déjà. Ça marche, que le nom du Seigneur soit béni. Ok, est-ce que vous avez partagé aussi dans des groupes? Est-ce que vous laissez des commentaires? Faites-les pour la gloire du Seigneur. Faites-les, partagez cela dans des groupes, partagez cela massivement et que ce message soit entendu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci pour ceux qui sont déjà entrés d'entrée dans ces lives. Que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Mais jusque-là, nous n'avons pas partagé. Personne n'a partagé. Je vous demanderai de partager, s'il vous plaît. Partagez cela parce que c'est un message qui concerne l'Église. Le Seigneur m'avait permis de faire cette expérience où j'ai vu l'Antichrist. J'ai vu, pas l'Antichrist, mais j'avais vu les faux Christ. Les faux Christ. Donc, alors c'est un message qui concerne vraiment ces temps, qui concerne l'Église. Voilà pourquoi je vous demanderai de partager cela. Partagez cela autour de vous, partagez cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ok, ça va, moi aussi j'ai fini de partager. J'espère que vous aussi, vous avez fait de même. Ok, gloire à Dieu, merci de laisser des témoignages, des commentaires. Je vois Francis Thibault, bonsoir Daddy, je suis là. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vois Jérémy Mouzaza, Dieu est merveilleux. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci de laisser des commentaires. Est-ce que vous avez partagé? Merci de le faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi prier et puis directement entrons dans ces vives de ces lives spéciales dans lesquelles je n'ai pas annoncé. Je vous ai appelé rapidement pour vous montrer des grandes réalités qui se passent. Ce que le Seigneur m'avait permis de voir hier, je vis l'Antichrist. Pourquoi j'ai dit l'Antichrist? J'avais vu le faux Christ. Ah bon, le faux Christ, c'est toujours l'Antichrist. Ok, ça va. Et le Seigneur m'a parlé sur la séduction. Voilà le but de ces lives. Et puis, nous allons passer un moment de rafraîchissement sous la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, fermons nos yeux, prions. Père bien-aimé, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, qui est en train de transcender sa montre, Seigneur Jésus. Ça devient manifeste. Ça devient glorieuse au milieu de nous et ça devienne souveraine au milieu de nous et que cette présence sanctifie les ondes et sanctifie la connexion
est béni toute parole qui sera sortie de ma bouche. Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi. Au nom de Jésus. Merci pour des vies que tu vas toucher. Merci pour des ministères que tu vas enflammer et imparter. Merci pour ta gloire, ô Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour des guérisons des malades. Merci pour la paix au cœur angoissé et troublé. Au nom de Jésus. Merci de ranimer ce qui était refroidi. Merci de secourir ce qui était perdu. Merci Esprit de grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu puisse vous bénir. Hier, j'ai fait une vision. Le Seigneur m'a permis de voir la vision. Et dans cette vision, je veux voir le faux Christ entrer d'opérer des miracles, mais il était un faux Jésus. Mais il apparaissait exactement comme Jésus. Mais avant de parler de ce faux Jésus, laisse-moi d'abord retourner beaucoup d'années en arrière. Nous sommes au mois de juillet, l'année 2004. Le Seigneur m'avait dit, Noah, va et cache-toi pendant 40 jours. Tu ne mangeras que de fruits. C'était un long jeûne que j'avais fait en 2004, au mois de juillet. J'étais sur la montagne de Louvoulou, à campus là-bas. C'est dans ces montagnes-là que le Seigneur avait manifesté un vent du réveil, un souffle qui avait touché toute cette cité qui était dans les ravins. C'était tellement excitant. Où nous avons vu des miracles, des créations. Un enfant dont ses veines, l'enfant qui n'avait pas de veines ici, et puis son cou était très long, ça descendait, ça courbait jusqu'au niveau de son ventre. Le médecin ne pouvait rien faire à cause de cette défaillance de veines. Alors, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de le mettre des pannes, des linges, pour essayer un peu de soutenir sa tête. Mais malgré cela, sa tête s'est courbée seulement comme ça. Mais la femme vivait avec une santé vraiment en agonie. À cause de veines, l'enfant n'avait pas de veines ici, qui soutient les coups. C'est à partir de cette expérience-là, ce témoignage-là, c'est cette expérience de cet enfant que j'ai compris que le cou, notre cou, c'est très long. Ce qui permet à ce que le cou soit comme ça, c'est à cause des veines. Normalement, le cou, c'est vraiment long parce que ça venait jusqu'au niveau de son ventre et sa tête, c'était comme ça. C'était dans cette retraite-là, lorsque j'avais fini, le Seigneur m'avait utilisé de manière extraordinaire. Et cet enfant était guéri, justement, par la direction divine. J'avais peur de prier pour cet enfant parce que lorsque j'avais vu sa situation, c'est comme si on m'avait déchargé toute l'onction. Et puis le Seigneur m'a dit qu'on lui donne l'orange. J'ai dit ça. J'ai dit qu'on lui donne l'orange. J'ai prié pour l'orange, je l'ai donné et puis je suis parti. Le lendemain, l'enfant s'est réveillé, son cou était redressé. Enfin, il s'est passé de grandes choses pendant ces périodes-là.
J'ai vu des miracles de mains sèches. Quelqu'un, sa main était sèche. C'est-à-dire, tous ses doigts étaient comme ça, fermés. La main sèche, vraiment, fermée, ça ne bougeait pas. Et ses doigts bougeaient pendant que le miracle s'est passé. Et elle et moi, on sautait. Donc, ça dépassait. C'était des miracles. Mais avant que je puisse accéder dans ces mouvements des miracles, le diable m'avait tenté. Le diable m'avait tourmenté. Je me rappelle le premier jour, alors que j'avais d'abord peur, j'ai essayé de m'endormir. J'ai vu un ange en train de souffler. Alors, ce n'était pas un ange. C'était un être qui soufflait, mais il venait comme un ange. Je le voyais physiquement comme ça, descendre. Il soufflait par ses ailes et les arbres bougeaient. Et il avait l'apparence d'avoir une robe blanche. Lorsque je regardais directement par la paire, je me suis couvert de mon drap. Et puis dans mon cœur, je dis, « Oh Seigneur, je n'ai même pas prié. Déjà, tu commences à envoyer ton ange. Je n'ai même pas prié. » Or, ce n'était pas l'ange, c'était le diable. C'était un ange de Satan. Lorsque j'ai dit ça, alors j'ai senti des frissons. J'ai ouvert mon drap pour le regarder. Il s'est transformé. Les dents, c'est ça longeait, ça devenait pointu, les angles poussaient, le visage changea. Il voulait m'étrangler directement. J'étais paralysé. Là, c'était cette attaque où la Bible dit l'ange, Satan se déguise à l'ange de lumière. J'avais vu ça en 2004, au mois de juillet, sur la montagne de Louvoulou. À cette époque-là, les gens ne priaient pas là où j'étais. Les gens priaient de l'autre côté. Et j'étais paralysé totalement. Et puis, il voulait m'étrangler. Je n'arrivais pas à bouger. J'étais hypnotisé. Dans fraction de secondes, à quelques tiers, si je peux dire, dans mon cœur, une prière monta dans des tierces de secondes. Oh Dieu! Oh papa! Tu m'as permis de venir ici pour me tuer? Directement, cette paralysie m'a quitté. Et puis j'ai crié, Jésus! Et cet être-là, satanique, vola rapidement comme un éclair. Boum, directement, il était disparu. Toute cette nuit-là, j'avais peur. Je faisais que citer Jésus, 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 Jésus. La nuit était longue pour moi. Quand il y eut matin, directement, j'ai pris mon bagage, je suis descendu pour retourner à la maison. C'était en 2004. Pour retourner à la maison. Alors que je voulais retourner, je vais entendre le Saint-Esprit me dire, « Oh Noah, tu veux vraiment retourner ?»« Ok, ça va, tu peux retourner, mais sache que pour ton ministère, pour ton appel, tu dois toujours faire 40 jours. Tu retourneras toujours. Donc, ça serait mieux seulement que tu puisses supporter. Là, c'était l'expérience où cette parole qui dit l'ange du diable, Satan, se déguise à l'ange de lumière. C'est une réalité. Mais maintenant, aujourd'hui, dans 2023, précisément le 7 février, hier matin, je vais maintenant voir le faux Christ. Qui n'est pas Jésus. Mais il apparaissait exactement comme Jésus. Je vais vous le dire ça. Partagez s'il vous plaît. Je suis en train de sentir la présence de Dieu.
Je sais que cela va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Je sais que cela va permettre à beaucoup de personnes de faire attention. Attention à ce temps où nous sommes. Je parle avec beaucoup de compassion et beaucoup de sincérité. Non avec un esprit de compétitivité ou soit de rivalité. Non. Mais avec un esprit d'amour, d'avertir à mes frères serviteurs de Dieu, d'avertir au peuple de Dieu, vous devez faire attention à ce temps où nous sommes. Surtout à ceux qui naviguent dans les domaines là où ils parlent de révélations élevées, je ne sais pas. Le Seigneur a quelque chose à dire par rapport à ça. Je parle de la révélation. Je révèle le mystère du royaume. Vous savez, dans l'école, opérer dans les miraculés. Mais nous devons rester dans notre parcelle du salut. Nous ne devons pas sortir à cela. Parce que c'est risqué. Il y a le vent de la séduction. Quand le diable est séduit, il séduit les enfants de Dieu. Ce n'est pas un païen que le diable va séduire. Il va séduire l'enfant de Dieu. Il doit séduire les serviteurs de Dieu. Il doit séduire le peuple de Dieu. C'est là même l'objectif de la séduction. Il séduit des rois authentiques. Il séduit des prophètes authentiques. Il séduit des apôtres authentiques. Il séduit des enfants de Dieu authentiques. Et si vous n'êtes pas prudent, vous êtes pris dans cet esprit d'égarement, c'est fini. Regardez d'abord quand même, hein, s'il vous plaît. On va procéder comme ça. Et puis je vais vous expliquer ces visions-là. Je vous dis d'abord, premièrement, en 2004, c'est là où nous sommes, j'avais vu Satan se déguiser en ange de lumière. Tel que je viens de vous le dire. C'est là, ça se trouve dans la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, 14. Donc, je vais parler de cette expérience et puis je vais commencer à donner la lumière de la parole de Dieu. C'est ça le but. Mais je serai bref. 2 Corinthiens 11, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens 11, 14. La Bible dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On dit Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, Satan a la capacité de se manifester en lumière alors qu'il est ténèbre. Il se déguise, il porte l'apparence d'un ange de lumière. Alors c'est Satan lui-même. Comment est-ce que Satan arrive à se déguiser? Mais il arrive à se déguiser à travers la séduction, à travers la parole, à travers les discours. À travers certaines choses, certaines manifestations, il arrive à se déguiser. Pour la première fois, selon la loi du premier maçon, le mot déguisé a été mentionné dans la Bible. Nous le trouvons dans les livres des Proverbes. C'est pour la première fois que le mot se déguiser a été mentionné. On le trouve dans les livres des Proverbes. Selon la loi du premier maçon, cela nous permet d'avoir exactement la pensée de Dieu à ce qui concerne le mot. Il faut retourner pour la première fois que ce mot a été mentionné. On dit Satan se déguise à l'ange de la lumière, mais pour la première fois que la Bible mentionne se déguiser, on voit ça dans Proverbe 26, verset 24. Je dois lire rapidement et puis je vais avancer à cette expérience dans laquelle nous sommes en train de voir. La Bible dit, par ses lèvres, celui qui hait se déguise
et il met au-dedans de lui la tromperie. Par ses lèvres, c'est lui qui est, se déguise. C'est-à-dire, il te hait, mais il se déguise. Il met au-dedans de lui la parole de tromperie. Ça veut dire, il te hait, mais il va commencer à te flatter. Donc, le déguisement, c'est la flatterie, c'est la séduction. C'est la séduction. Voilà, on nous présente Aka. La Bible dit, Jézabel a excité Aka. Et Aka était vendu à la séduction. Aka était vendu à la séduction. Pourquoi? Parce que Jézabel l'a excité et Aka a fait des abominations plus que tous les rois qui étaient avant lui. Pourquoi? Parce qu'on l'avait excité, on l'avait séduit et cela a vendu son âme à l'égarement. Il a été vendu. Quand l'égarement arrive, quand la séduction arrive, le déguisement arrive, la personne sera vendue. Lisons ça, je crois que c'est important. Lisons ça, avant d'avancer. Un roi. Chapitre 21, verset 25. Un roi 21, 25. Je crois que ça serait important. Un roi 21, 25. On nous dit quelque chose. Un roi 21, 25. Je pourrais directement dire cette expérience que j'avais vue hier, où le Seigneur m'a donné des avertissements à ce qui concerne la séduction, l'esprit de la séduction et le faux Christ. Mais ça sert à quoi si je ne donne pas la lumière avec la simplicité de la parole de Dieu? C'est important. 1 Roi, chapitre 22, 21 plutôt, verset 25. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Aka pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Aka pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Jézabel l'excitait. Aka pensait que tout ce qu'il faisait, c'était bien. Alors qu'il était excité, il a été vendu pour faire le mal. Quand l'esprit de l'égarement touche la personne est vendue. Voilà pourquoi on va voir certaines personnes qui pensent avoir la maîtrise de la parole. Ils commencent à épouser des femmes et des femmes et des femmes. Enfin, jusqu'à ce qu'ils commencent à épouser des femmes de 16 ans, des femmes de 17 ans. Qui peuvent être même ses petites filles. Mais il appuie tout ça par la parole. Et jusqu'alors, l'homme n'est pas encore satisfait. Ça, c'est l'esprit de l'égarement. Lorsque ça touche, la personne peut utiliser, il est écrit. Mais alors, c'est l'égarement. Il peut utiliser la parole. Alors là, c'est l'égarement. Pour la première fois, on parle de déguisement. Je viens de vous lire Proverbe. C'est lui qui hait. Mais dans sa langue, il dit de tromper. Ça veut dire qu'il trompe. Mais alors qu'il te hait, il t'amène pour être détruit. Ce qu'il faut retenir de la séduction pour que je puisse directement vous parler de faux Christ et de l'esprit de séduction, retiens de manière simple. Retiens de manière simple. Séduire, soit la séduction, c'est l'égarement. La personne est égarée, c'est-à-dire la personne n'est pas dans le bon chemin. Il est égaré, c'est-à-dire il quitte le chemin. C'est ça ce qu'on appelle la séduction. La séduction, c'est abuser. Lorsque la personne quitte le chemin, la personne est abusée et quiconque le suit, lui aussi sera abusé. La séduction, c'est abuser quelqu'un. La séduction veut dire encore faire tomber dans l'erreur par ses discours. Faire tomber dans l'erreur par ses discours. C'est-à-dire, lorsque tu suis ce genre de discours, tu tombes dans l'erreur. Directement, tu es tombé. Et ce qui est plus grave dans la séduction, c'est être corrompu. La séduction amènera la corruption. C'est-à-dire, la personne est corrompue. La personne change d'état. La personne est corrompue. La Bible dit, la terre était remplie de la corruption, de la violence. Ça vient par l'esprit de la séduction.
Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous avertir. Dans Apocalypse 2, versets 19 à 20, Jésus nous avertit. Il dit, c'est que je contre toi, tu as laissé Jézabel enseigner. Cette femme qu'on dit prophétesse. Alors, il faut comprendre que Jézabel ici, qui enseigne, ce n'est pas le fait que lorsqu'une femme enseigne, c'est celui-là Jézabel. Non. La parole de Dieu doit être claire et équilibrée. Laisser Jézabel enseigner, ça peut être soit un homme en train d'enseigner, soit une femme en train d'enseigner, tout simplement. Mais, c'est-à-dire, dans son enseignement, il y a l'égarement. Dans son enseignement, il y a la séduction. Dans son enseignement, il y a la tromperie. Et Jésus est contre cela. Donc, laisser Jézabel prêcher, c'est laisser l'oreille, soit laisser le cœur à l'enseignement de la séduction qui exalte la chair. Laissez l'oreille, laissez votre cœur à écouter, à recevoir l'enseignement de la séduction, de l'égarement. Cet enseignement-là qui brise, qui ébranle même le fondement du salut, qui renverse le fondement du salut. Laissez Jézabel enseigner, c'est laissez vos yeux à regarder des documentaires, que vous voyez que ces documentaires amène à l'égarement, mais vous continuez à les regarder. La mort entre à vous, jusqu'à ce que vous allez recevoir la parole pure de l'évangile, là où vous êtes lavé. Il y a la mort partout. Laissez Jézabel enseigner, c'est lire des ouvrages qui n'exaltent pas Dieu, qui ne révèrent pas, qui ne marchent pas dans le cadre de l'évangile. C'est laisser aussi Jézabel enseigner, écouter la voix de Jézabel. Lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas à la lumière de la parole de Dieu, vous laissez Jézabel prêcher, ce qui est très dangereux. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Lorsque nous négligeons le salut, comment nous allons échapper en négligeant un si grand salut? Comment devons-nous échapper à cela? Retournons maintenant dans l'expérience que j'avais vue. Je retourne là. Et puis je vais continuer un peu et puis je vais terminer. D'abord, je viens de vous parler de l'expérience de 2004. Lorsque j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, je me suis retourné. Le Seigneur va me parler. Il va me dire, Noah, écoute-moi. Satan ne peut jamais toucher un enfant de Dieu sans l'avoir neutralisé. C'est ce qu'il m'avait dit. Je l'ai retenu jusqu'aujourd'hui, depuis 2004. Il me dit, Satan ne peut jamais toucher un enfant de Dieu sans l'avoir neutralisé. Avant que Satan te touche, il va d'abord te neutraliser. Voilà pourquoi lorsque Satan voulait me toucher, j'étais paralysé, je n'arrivais même pas à bouger, même pas à parler. J'étais inoptisé totalement, j'étais neutralisé. Maintenant, il voulait me toucher. Et le Seigneur m'a délivré. Lorsque je priais dans le cœur, il m'a délivré. J'ai crié maintenant, Jésus, directement, c'est cet ange-là satanique s'est envolé. Maintenant, le matin, lorsque j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, je suis retourné à la montagne. Maintenant, le Saint-Esprit m'a donné ses principes. Il m'a dit, écoute, Satan ne peut jamais toucher un enfant de Dieu sans l'avoir neutralisé. Si tu te vois, tu es emporté dans les soucis de ce monde. Tu es emporté dans l'amertume. Tu es emporté dans la colère. Tu commences à être emporté dans les souillures, l'impureté. Tu n'arrives pas à te maîtriser, à regarder des choses libriques, des choses obscènes. Si tu vois, tu commences à t'affaiblir fortement dans la prière. Tu commences à accepter des choses pour plaire aux gens. Sachez que Satan cherche un moyen pour te toucher. Il veut d'abord que tu sois neutralisé pour qu'il puisse te toucher. Ça, c'est la tactique que Satan fait. Maintenant, retournons à ces faux Christ. Là, je vous ai parlé, Satan se déguise à l'âge de la lumière. J'avais vu cette expérience-là en 2004. Maintenant,
Jésus nous parle des faux Christ. La Bible dit il s'élèvera des faux Christ. Des faux Christ. C'est-à-dire ceux qui s'élèvent contre Christ. Comment s'élever contre Christ? Lorsque la doctrine commence à briser des fondements du salut, c'est contre Christ. Lorsqu'on commence à prêcher l'évangile qui n'a pas été prêché dans la Bible par les apôtres, c'est-à-dire ce que tu dis, ce n'est pas dans les contextes bibliques, les faux Christ. Hier, le 7 février, maintenant je vous raconte cela. Jésus, c'était très tôt le matin. C'était dans une vision. Parce que j'écoutais de voir tout ça. Donc je m'étais déjà réveillé. Alors, j'ai vu dans l'ars Jésus avec sa douceur. Sa robe, il se tenait là devant une petite troupe de personnes et il commençait à opérer des miracles. Moi, je suis là, je le vois de l'autre côté en train d'opérer des miracles. Je commence à observer. Je dis, Jésus, je dois aller directement là où il est. Or, ce n'était pas Jésus. Mais il y avait quelque chose un peu qui tiquait à mon esprit. Malgré que je voyais Jésus. Mais j'avais des doutes dans l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé des feuilles d'arbres qui étaient beaucoup, beaucoup de feuilles d'arbres. Il les a fait comme un ballon. Dans l'intérieur, il n'y avait pas de l'air. Tu sais, les ballons, il faut souffler, il faut pomper. Mais dans l'intérieur, il n'y avait pas de l'air. Mais il a pris seulement des feuilles d'arbre qui fait un rondre comme ça. Je ne parle pas beaucoup de feuilles entancées, non. C'est-à-dire des feuilles comme ça qui fait un rondre. En réalité, c'est impossible. Des feuilles qui fait un rondre, mais dans l'intérieur, il n'y a pas de feuilles. Et puis, ça fait vraiment un ballon. Et les gens étaient étonnés. Là, c'est Jésus-là que j'avais vu. Et directement, il prend sa main, il frappe sur ce ballon-là à feuilles d'arbre. Pouf! Et puis, des feuilles étaient éparpillées. Quand des feuilles étaient éparpillées, l'homme qui était là, qui était sérieusement malade et infirme, directement, cette personne-là, cet homme-là était guéri. Et les gens poussaient des cris. Jésus, Jésus, moi je dis, oh, mais je dois aussi aller voir Jésus. Lorsque j'ai vu ce miracle-là, je voulais aller dans ma pensée même, je voulais aller, vraiment, je vais aller vraiment voir Seigneur. Il m'a fait grâce de le voir. Je vais voir Seigneur. Je vais l'adorer. Je me prêtais à aller vers ce Jésus. Et du coup, quand il m'a vu faire des pas vers lui, directement, lui aussi, c'est Jésus-là, commence à faire des pas là où j'étais. Et puis, nous sommes rencontrés. Lorsque je voulais simplement le remercier, le louer, Jésus, directement, quelque chose s'est passé à moi. C'était le Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit vous aide. Il ne faut pas entrer dans des plaisirs dans ce temps où nous sommes. C'est un temps très dangereux. D'autres sont initiés par les diables à travers les songes. D'autres sont initiés par les diables. À travers même des préparations des messages, le diable entre directement, il injecte à lui l'esprit de l'égarement. Et il commence à prêcher des choses de l'égarement.
C'est la raison pour laquelle, à ces temps de la fin, restez profond, mais que toute votre profondeur retourne sur la base du salut. Je vais donner des clés. Je vais donner des clés. C'est important. J'ai senti à moi de le toucher ici, dans les épaules. Alors que je voulais l'adorer, directement quelque chose arriva à moi, je l'ai touché ici, dans les épaules, j'ai commencé à le bouger comme ça. C'est comme si tu étais en train de peser la personne, toi. Or, normalement, moi-même, même dans mon cœur, je ne pouvais pas faire ça. J'étais déjà prêt à adorer. Mais le Saint-Esprit a fait au-delà de moi. Je prie au-delà de vos sentiments, que le Saint-Esprit domine vos sentiments. Que le Saint-Esprit soit Seigneur dans votre cœur. Que le Saint-Esprit vous donne la grâce d'échapper à la séduction. La grâce d'échapper au faux Christ. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il n'y a pas de compromis avec ça. Attention, il n'y a pas de compromis. Je l'ai touché ici. Je l'ai bougé comme ça. Oh. C'est comme si je suis en train de le balancer. Pendant que je le bougeais comme ça, il le bougeait comme ça, directement, cette enveloppe de Jésus qu'il avait, c'est comme une peau. Ça tombait. Sa robe est tombée. Directement, il changea d'aspect. C'était un homme bizarre avec des vêtements noirs. Directement, je l'ai poussé. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. Moi, votre frère qui vous dit ça, je l'ai expérimenté hier. Ce n'était pas Jésus. Imaginez si je l'avais adoré. J'allais me tenir devant vous. L'impartation, serviteur de Dieu, venez, je vais vous imparter. Et puis du coup, je commence directement à vous prêcher des choses bizarres. Et puis vous commencez à dire, amen, 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 c'est la spiritualité. Quelle spiritualité? Quelle spiritualité? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Les devises du diable, c'est promouvoir le mélange. Le désir du diable, c'est promouvoir, c'est-à-dire laisser les enfants de Dieu parler de Jésus, mais mettez nos choses dans l'intérêt, mettez un peu de nos traditions, mettez un peu de la coutume, mettez un peu du monde à l'intérêt, afin qu'il y ait de mélange. Le diable est vide dans le mélange. Ça, c'est le dévice du diable depuis la première rébellion, la rébellion d'Éden, la deuxième rébellion, la rébellion de Noé, la troisième grande rébellion, la rébellion des tours de Zougoura, la quatrième grande rébellion, la rébellion de Sodome et Gomorre. Je l'ai déjà prêché pourquoi Jésus-Christ était venu sur la terre. C'est aussi par rapport à ces quatre rébellions. Tout cela, le diable va promouvoir le mélange. Là où il y a le fils de Dieu, le diable aussi élève. Le blé, le diable met livré. Le diable mettra livré. Abel, Caïn. Je ne dis pas que Caïn vient du diable. Non, Caïn ne vient pas du diable. D'ailleurs, Adam dit, je l'ai acquis par l'aide de Dieu. Mais le diable incita dans le cœur de Caïn le mal. La race de Seth s'éleva. De l'autre côté aussi, la race des géants aussi s'éleva. Toujours pour combattre la race sainte. C'est toujours comme ça. Il se déguise. Je l'ai bougé, je l'ai poussé. Parce que ce n'était pas Jésus. Alors qu'il est en train de titiber là, et directement, on m'amène ma fille. Toujours dans cette vision-là, on m'amène maintenant là, ma fille. Ma fille, les yeux étaient comme ça, comme si quelqu'un qui a perdu connaissance. Oh quoi, elle avait avalé une chaîne. Tu sais, chaîne, collier, le collier d'or.
Elle a avalé ça et puis ça l'a bloqué ici au niveau de gorge. On m'a amené ma fille comme ça, presque mourante en agonie. Et quand directement on m'a amené ma fille, ce faux Jésus-là qui venait d'être révélé, il commence maintenant à dire, ok maintenant, toi qui viens de me démasquer, montre ta puissance, on va voir. Montre maintenant ta puissance. Montre maintenant ta puissance. Il commence à se révéler. Montre maintenant ta puissance. Lorsque je voulais être paniqué, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, parle la langue. Je commençais à parler à langue dans cette vision. Pendant que je parlais à langue, bam, ma fille a vomi cette chaîne. Elle a vomi et directement la vision est finie. J'avais peur. Je suis resté sur le lit. Je suis resté. Je me sentais comme étant épuisé. J'ai essayé de parler à langue. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dirigé à écouter la musique de pasteur Chris Oyakhilom. J'étais dirigé par le Saint-Esprit. J'ai dit à ma femme, cherche-moi l'adoration de pasteur Chris Oyakhilom. Quand ma femme m'a cherché, je commençais à écouter cette adoration. C'est comme si on m'a ravivé. Pouf, la puissance de Dieu m'est venue. Après un moment, j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Sous cette gloire. Et puis, le Seigneur me dit d'annoncer à l'église. Il y a des faux Christ. Et la séduction, l'esprit de séduction sillonne déjà dans des églises. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. L'esprit de séduction sillonne dans des églises. Voilà le message. Et puis j'étais étonné d'écouter un serviteur de Dieu, il est vraiment serviteur de Dieu. Mais j'étais étonné d'écouter maintenant le message qu'il prêchait. Les gens qui aiment parler des mystères, tout ça. Je vous avais dit, nous parlons des mystères. Je rêvais des mystères profonds même. Mais quand j'entre dans ces domaines, j'aime vraiment écouter le Saint-Esprit. Je n'aime pas faire comme dans des recherches. J'aime écouter le Saint-Esprit et respecter le boulevard du salut. Cet homme-là, il commence à dire que, tu sais, nos ancêtres qui étaient morts dans des cimetières, il y avait deux groupes des ancêtres qui étaient morts, qui sont morts, nos ancêtres. Il dit bien nos ancêtres, c'est-à-dire des païens, nos ancêtres. Il y en a deux. Il y a l'autre qui était mauvais, et d'autres qui étaient bons. Et maintenant, les ancêtres qui étaient bons, lorsqu'ils sont morts, après des années, ils se transforment en des anges terrestres. Et ils peuvent intervenir dans leur lignée, ils peuvent aider leur postérité, leur petit-fils, le membre de la famille, ils peuvent les aider, ils peuvent intervenir. Ils peuvent même lui communiquer des talents. Wow! Et les gens sont en train de crier en disant « Amen » la révélation. Quelle révélation! Je ne vais pas insister là-dessus. Justement parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme qui avait invité cet homme-là à cause de lui. Parce que le Seigneur m'en a révélé plusieurs fois, je ne vais pas insister là-dessus. Mais une chose qui est claire, le diable est en train de promouvoir le mélange, l'esprit de l'égarement. L'esprit de l'égarement agit dans l'église.
Alors, vous qui aimez parler de mystères, vous voulez des mystères, révéler des mystères, je vais vous aider pour mieux parler des mystères. Avant de révéler des mystères, vous devez rentrer d'abord dans les fondements de mystères, le fondement de ce qui dispense des mystères. Il ne faut pas briser les fondements. Je vais vous donner certaines clés. Ça va vous aider à être sauvé, épargné de l'esprit, de la séduction dans lequel le Seigneur Jésus m'en a parlé. Quelle coïncidence! J'ai vu le faux Christ, le faux Jésus, et puis le même jour, je vois l'autre message, mais cela m'avait beaucoup touché dans le cœur. Alors, je ne vais pas beaucoup plus insister, de sorte que d'autres pourront comprendre je parle de qui. Alors, je ne vais pas par rapport à ça. Je viens déjà d'expliquer, à cause du respect que j'ai pour cet homme-là de Dieu. Mais ici, je parle justement, en tant qu'acteur du réveil spirituel, pour prévenir l'Église des choses réelles qui se passent. Il y a l'esprit de l'égarement. Il y avait un homme de Dieu, un prophète. Hein. Il est entré dans des jeûnes et prières. Il entre dans les jeûnes et prières. Arrivé 21e jour, il voit quelqu'un lui apparaître. Il lui dit, depuis que tu as prié, tu as reçu quoi? Le prophète, il dit, je n'ai reçu rien. L'ange là continue encore. Il lui dit, Depuis que tu as lu la Bible, soyez réaliste. Est-ce que ta vie a changé? Le prophète répond, ma vie n'a pas changé. Il lui dit, ok, je te porte maintenant la nouvelle révélation. Je suis le Dieu de l'humanité. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus prêcher la Bible. Commencez à prêcher sur les droits de l'homme. Cherche la charte des Nations Unies. Histoire vraie. Le prophète, il dit que non, j'ai reçu la révélation. Nous allons rentrer dans la pensée de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de l'humanité. Il commence à baser ses prédications sur la charte des Nations Unies, les droits de l'homme. Voilà comment est-ce que l'esprit d'égarement peut amener quelqu'un. L'esprit de l'égarement. L'autre aussi comme ça, il prêche des révélations. Après, il arrive à un certain, là c'est en États-Unis, il arrive à un certain degré, c'est le diable qui le parle. Mais lui pense que c'est Dieu. Il lui dit, est-ce que toi, la personne que tu aimes, ton père, tu sais qu'il est en enfer, si Dieu te donne le pouvoir de les sauver de l'enfer. Toi, tu vas les sauver ou tu ne vas pas les sauver. Le pasteur l'a dit, je vais les sauver. Directement, la voix qu'il est en train d'écouter dit, si toi tu peux les sauver, ça veut dire toi tu as la compassion plus que Dieu. Si toi, homme, serviteur de Dieu, tu peux sauver quelqu'un, le tirer de l'enfer, et alors Dieu comprend simplement, l'enfer n'existe pas. Dieu qui est amour ne peut pas envoyer des personnes dans l'enfer. Et l'homme directement, il commence à prêcher, il commence à dire, il n'y a pas d'enfer. Personne n'ira en enfer. Les Africains qui souffrent, pour eux, cette souffrance-là, c'est déjà l'enfer. Tous ces Africains-là qui souffrent, Dieu, c'est un Dieu de justice, ils vont aller tous au paradis. Et il commence à prêcher comme ça. Ses pères l'ont dit, ce que tu fais là, c'est contre le salut. Jésus est déjà mort pour toute la terre. Si tu refuses son salut, tu iras en enfer, tu es pécheur. Dieu n'a rien à faire par rapport à cela. Parce que c'est déjà l'offre de Dieu. Il dit, non, 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 il reste comme ça. Il a perdu les membres de son église. Il est resté comme ça jusqu'aujourd'hui, en train de promouvoir. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans l'affaire parce qu'il est amour. Vous voyez l'esprit de l'égarement. Et il commence à fonder cela dans les Écritures. L'esprit de l'égarement. Ça brise les principes du salut. Alors, lorsque vous voulez
décortiquer le mystère du royaume. Vous dispensez du mystère du royaume. Attention, je vous donne maintenant des fondements que le Seigneur Jésus m'a donnés. Je vous donne des fondements qui vont vous aider. Regardez, nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. Regardez des fondements. Ça va vous aider. Là, vous pouvez naviguer dans des mystères révélés. Mais vous savez que vous êtes au-dessus du fondement. Vous êtes au-dessus du fondement. Alors, vous pouvez élever les niveaux, mais vous êtes dans le fondement. Sinon, vous allez entrer dans des messages des églises des Noirs. Vous allez entrer dans des messages des spirites. Vous pensez que c'est la spiritualité. Vous allez entrer dans des messages de la philosophie, dans des messages magiques. Vous pensez que ça, c'est de la spiritualité. Tout ce que le diable veut, hein, le diable veut montrer à l'homme que tu as la capacité de faire tout parce qu'à la nature, il y a toute la puissance. C'est-à-dire, laisse-toi à la magie de la nature. C'est donc, vous voyez des gens des clés là, c'est-à-dire la reconnaissance à la nature. C'est-à-dire, ces gens-là ne mentionnent pas les salis. Alors, quand les salis est enlevé, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout ça, ce sont des risques diaboliques. Regardez les fondements. Si vous voulez naviguer dans le mystère du royaume, n'oubliez pas ces fondements ici. Regardez 1 Corinthiens, j'ai dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. D'accord? 1 Corinthiens 3, 23. Nous sommes là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent là? Il y a des gens qui me suivent là? Ok. Voilà. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, verset 23. Des choses horribles comme ça, parler à l'église du Seigneur, faire entrer déjà dans la nécromancie, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Corinthiens 3. Écoutez, je lis ici. Je donne le fondement parce que vous voulez naviguer dans ces mystères-là. 1 Corinthiens 3, 23, la Bible dit tout est en vous et vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Écoutez, tout est en vous et vous êtes en Christ et Christ est en vous. Lorsque tu veux dire que tu as toute chose en toi, n'oubliez pas de mentionner que toi tu es en Christ. Si tu enlèves le mot Christ, c'est fini, tu es dans la séduction. Tu es dans la séduction. C'est pourquoi là, maintenant, tu peux utiliser les ancêtres. Tu deviens église des Noirs. Parce que tout est là. Tout pouvoir est là. Est-ce que tout pouvoir est là? Ça te donne le droit de l'utiliser. Parce que tout pouvoir est là. Tout est en toi. Mais n'oublie pas, toi, tu dois être en Christ. De quel côté es-tu? Tu es serviteur de la dispensation de la grâce? De Christ où tu es serviteur de la tradition. Non. Là, c'est le fondement. Tout est en vous. Et vous êtes en Christ. Et Christ est en vous. Maintenant, il va révéler le fondement dans le verset 11, 1 Corinthiens 3, 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
C'est-à-dire, quand tu commences à nous révéler le mystère qui se trouve dans les corps d'un homme, amener ces gens-là dans le cadre, que ces gens-là soient en Christ, ne nous parlez pas des ancêtres qui étaient des païens, qui étaient des idolâtres. La Bible dit ceux qui sacrifient des idoles, ils sont en communion avec les démons. Et la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ces gens-là étaient en communion avec les démons, que ce soit dans l'ignorance ou pas. Peu importe leur mystère. Les disques, ces gens-là, parce qu'ils étaient bons de caractère, ils avaient des pouvoirs ou quoi, ils deviennent des anges. C'est l'abomination. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux vous parler le mystère du corps. Tu sais, le corps, c'est le support. Le corps porte l'âme. Et dans l'âme, il y a des énergies. Le corps porte l'esprit. Dans l'esprit, il y a l'énergie. Ça reste. Celui qui réussit, il y a une vigueur qui l'a amené à cette richesse-là. Les savants, il y a une énergie là qui entre. Alors du coup, la personne qui était riche, là où on l'a atterré, il y a l'énergie de la richesse qui reste là dans ces sables-là. Il y a des mystères dans le corps. C'est la raison pour laquelle, à Bas-Congo là-bas, dans des côtés de Tchéla, là où on avait enterré des premiers commerçants noirs, tous ceux qui sont là-bas, ils réussissent dans les commerces. Pourquoi? Parce que cette terre-là est impartée par l'énergie des affaires. Mais maintenant, moi qui connais ces mystères-là, je viens devant vous, je commence directement à vous prêcher ça. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Jésus-Christ est là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Jésus-Christ n'est pas là. Je ne peux pas prêcher ça. Ça n'édifie pas. Le fondement qu'on nous a donné ici, quand il dit tout est en toi, toi tu dois être en Christ. Un point barre, Jésus doit être le centre. Peu importe d'autres mystères, si Jésus n'est pas là, on est dans les églises des Noirs. Tout simplement. Retiens ceci, pour parler des mystères, il faut d'abord Christ. Ne parlez pas des mystères sans Christ. On nous commence à nous donner d'abord le fondement, c'est Christ. C'est Christ. L'échelle que Jacob avait vue, c'était Jésus. Jésus lui-même a dit à Nathanaël, tu verras le Fils de l'homme élevé dans sa gloire, quand il sera élevé là. Les anges vont monter, ils vont descendre sur le Fils de l'homme. Et Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le Père est où? Au ciel. Maintenant, toi qui es en bas, pour arriver maintenant au dernier bâtiment de l'immeuble, qu'est-ce que tu feras? De manière normale, tu vas prendre l'escalier. L'escalier, c'est l'échelle pour arriver là-bas. Donc, Jésus, c'est l'échelle qui te permet d'arriver au Père. Sans lui, il n'y a pas d'autre chose. Parce que Jésus est l'échelle. La Bible dit qu'il a pris des captifs, il a amené dans le ciel pour qu'ils montent là dans le ciel. Ils ont monté sur qui? Ils ont monté sur Jésus l'échelle. Là au ciel, ils sont des dons. Alors directement, on comprend que si Jésus est l'échelle, les anges qui montent, les anges qui descendent, et que Jésus a pris des captifs, il a amené dans le ciel. Donc les anges là qui montent là, les anges terrestres là, ce sont des ministres. C'est le ministre des évangiles parce qu'un ange veut dire porte-parole. Maintenant, faire d'un ancêtre un ange, c'est l'abomination. Je ne peux pas accepter ça. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Peu importe des révélations. Des révélations, ce n'est pas des formules mathématiques. Le Christ doit être au centre. Maintenant, lorsque tu veux parler des mystères de Dieu, le mystère du royaume, n'oublie pas ces choses. 1 Corinthiens 4, 1. La Bible dit, hein, 1 Corinthiens 4, 1, la Bible dit, ainsi, la lumière, j'ai lu ça, 1 Corinthiens 4, la Bible dit, ainsi,
qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. On nous dit qu'on nous regarde comme premièrement d'abord des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Donc un dispensateur de mystères de Dieu, c'est lui qui dispense de mystères de Dieu. Dispenser, c'est enseigner, révéler. C'est lui qui révèle des mystères de Dieu. Il doit d'abord être regardé comme serviteur de Christ. Serviteur de Christ, ici, c'est le salut. Il doit présenter Christ. Il doit aligner sa doctrine dans des bases du salut. Il ne doit pas quitter les bases du salut pour commencer à parler des ancêtres, à parler des expériences des hommes. Mais non, bien que ces choses-là soient réelles, mais on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher à ça. La vie chrétienne, il y a des bornes. Il y a des bornes. Ça, c'est important. Tu veux être dispensateur du mystère, d'abord, sois d'abord serviteur de Christ. Sois serviteur de Christ. Or, quand on parle de serviteur de Christ ici, tout ce que tu dois dire, ça doit rentrer dans le cadre de l'Église. Il ne faut pas sortir de l'Église pour entrer dans le monde. L'Église, d'abord, c'est des bases du salut. Ça doit être d'abord. C'est ça le fondement. Il ne faut pas renverser ça. Tu dis à quelqu'un, tout est en toi, mais il faut d'abord dire, racine-toi que toi aussi, tu dois être en Christ. Ça, c'est là, non. C'est ça la différence. Écoutez, je vais terminer. Nos vies, notre manière d'enseigner doit être fondée à Christ. Notre vie, notre manière d'enseigner, ça doit être fondée en Christ. 1 Corinthiens 4, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 4, 17. La Bible nous dit ceci. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. D'abord, quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dans laquelle j'enseigne. Ici, c'est l'apôtre de la grâce, l'apôtre Paul, l'apôtre de l'église. Il parle ça. Il dit, Timothée va vous rappeler. Quelles sont d'abord mes voies en Christ, mes voies d'abord en Christ, et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises, c'est-à-dire l'enseignement que l'apôtre Paul prêche partout dans toutes les églises, c'est d'abord Christ. Toutes ces voies, c'est en Christ. Il ne faut pas quitter Christ pour entrer dans les religions. Il ne faut pas quitter Christ pour entrer dans d'autres croyances. Non. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il s'agit de quelle foi? Il a la foi musulmane, il a la foi ainsi de suite, il a la foi ainsi de suite. Nous, c'est quel genre de foi? C'est quel genre de foi? On commence à abandonner cette foi, la foi en Christ, la foi en Jésus-Christ. On commence à abandonner ça. Jésus a prié pour que la foi en Jésus-Christ qui était à Pierre ne tombe pas. Pierre ne savait même pas que Satan était venu. Mais parce que Pierre restait toujours dans la foi en Jésus-Christ, Satan a touché Pierre, mais Satan n'a pas vaincu. Sans que Pierre le sache. Donc la foi en Jésus-Christ te rendra plus puissant que Satan. Nos vies, notre manière d'enseigner doit être d'abord fondée en Christ. Timothée va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ. Tes voies en Christ, pas si les ancêtres. Pas si les généalogies. Non. Pas si des livres lits de gauche à droite. Non. Tes voix en Christ. Christ, c'est d'abord le salut. Tout miracle doit être d'abord là. Et de quelle manière que je prêche? Le dernier verset pour terminer aujourd'hui. Retiens ceci. La lumière que Dieu brille dans la vie des chrétiens, dans le cœur des chrétiens, doit venir de Christ. La lumière que Dieu brille doit venir d'abord de Christ. Et cela est activé par la connaissance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la lumière de la face de Christ. C'est-à-dire son identité, sa personnalité. Nous, notre lumière
dans lesquelles est appelé à briller, ça doit venir de Christ. Pas d'autres principes. Ça doit venir de Christ. En Christ, tu peux manifester des miracles. L'argent sort. En Christ, tu peux manifester des miracles. L'huile coule de tes mains. En Christ, tu peux manifester les odeurs. En Christ, tu peux manifester. On voit des miracles. C'est en Christ. Et pour qu'on expérimente ce genre de lumière-là, ce genre de manifestation-là, il faut connaître la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance, c'est quoi la connaissance de la gloire de Dieu? Jésus-Christ, c'est l'amplification de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu, c'est la glorification de Jésus. À ce moment-là, tu vois la face de Jésus rayonner. C'est-à-dire, tu commences à manifester l'identité et la personnalité du Christ. Ça, c'est le dernier verset, 1 Timothée 4, 6. Et puis, nous avons fini. 1 Timothée 4, 6. Maintenant, je vais prier pour vous. Laissez vos sujets rapidement. Il y a une gloire qui descend très subitement. 1 Timothée 4, 6. Cette gloire va venir principalement pour rafraîchir et pour ranimer. Pour rafraîchir, pour ranimer. Pour t'empêcher de ne pas être égaré. Ni t'était la grâce de Dieu. J'allais adorer le faux Christ. Ni t'était la grâce de Dieu. Ni t'était la grâce de Dieu. 1 Timothée 4, 6. Je dis la lumière que Dieu brille aux chrétiens doit venir de Christ. Et cela est activé par la connaissance de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la lumière de la face du Christ. C'est quoi la lumière de la face du Christ? C'est son identité, sa personnalité. 1 Timothée 4, 6, point barre, nous finissons ici. 1 Timothée 4, 6, je lis. Carabro abaraza balade. Yo arababo samba carabibolo sabrente. Lia caramimo ashama. Merci Saint-Esprit. Ele mara yo socraya. Eye kerebaya u sabrata. 1 Timothée 4, 6. La Bible dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais ce n'est pas ça ce que je suis en train de chercher. Donc, retiens que s'il y a de la bonne doctrine, il y a aussi de la mauvaise doctrine. Alors, j'aimerais que nous cherchions ce que je suis en train de chercher là, ces passages-là, et puis je prie. Commencez déjà à laisser vos sujets rapidement. Alors, rapidement, nous allons chercher ça. Nous allons chercher ça rapidement. Merci, Jésus.
Alors, nous cherchons cette lumière-là. On cherche. Mesorabaya. Prensa mara de kereba u sobranta. Laissez déjà vos sujets, je vais aller rapidement, nous sommes déjà à la fin. Lebre santa bakarabo sobrenta lami marada. Shura brada rabi baba baba warate kere mama mon robo. Yede kaba rabo robo bo abande lema. Samakaria braye usabrante lema. Shoji jabre de leke marada la kapaya wazo karebaye. Iye wezuha la maraza da bakanta la mima maraza brate. Yua arebro aba rakabaya wajabaya. Iye warezende bele kalija la marozodo. Maleze kresele bebo rike paria zatu handayika. Alla warra baba warra de kere momo. Oro abashabari jawa dalami. Yende legalima warra de le kepa u sobranta. Alleluia u sabrente lema u sabrada. La kalima wa jamara dala kite. Yuwa arezoto kikala mozo bradala. Alleluia wa dakraba warra bradala mima. O do esembre telike marazada, zador o avaria dale kaya mo sabre, iye wezura karababa bababa, ene le garababa warrazaba karababa shama, shama raba warrabra dalamima wala kalamima, o do esembre tele bakile usabra tarababaya, mezoka tele kaya mama mama mama, Alla warraba kente lema mujote kila. Uro warraka baba warrabrada lema. Halleluja urrabraza la baba warrade. Mezo katsa braze dele kabuho shama mama. Lega lima lagara baba baba baba. Uro boweza brede leme me 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 me. Ye warrabraja braja raba baba warrabrado. Alla warraba wa shama mama. Lagaria barra weria barre coro a mama 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 mezo riba ya shaba baba endali maraza bradala mazore ke pawara baba baba soyez déjà prêts, soyez déjà prêts. Yandali marezoti kare baba waraza mazoleza bradala baba odo esekele mama waragalia zatago. Mazo lija brate lega lija harabro. Yende liga lima roko ababa shama razato. Mazo raka baya washa brata labaya. Mazele kamezo lia ushama reze. Mezi lega uzarabaya uzabra. Ede kente lema usobrata labababa. Mazaba kayabo sobraka tekele. Yuwa adekaja woro, merci Saint-Esprit. Yewa razanda baraka sato, mazo raba baba baba baba. Mezo bakalia baraso teke, mazo rikaya masharaba, mazo raba baba baba. Mezo ka, regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4.
verset 6. C'est le verset que nous avons cherché. Alors, lorsque le Seigneur t'avait parlé quelque chose et que tu avais oublié parler à langue, entrer et puis tu vas le trouver. J'ai trouvé ces passages et puis je vais prier. Je crois que vous avez laissé des commentaires. J'ai dit, la lumière que Dieu brille doit venir de Christ. Et cela est activé par la connaissance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la lumière de la face du Christ. C'est cela. Alors regardez, c'est 2 Corinthiens 4 et 6. 2 Corinthiens 4 et 6, quelqu'un peut m'écrire ça, c'est ça ce que je cherchais. 2 Corinthiens 4 et 6, et puis nous prions. La Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est fort, hein? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière qui brille dans le cœur, c'est la compréhension de la parole. C'est cette connaissance de la gloire de Dieu. Et cette connaissance, Dieu brille cette lumière-là avec quel but? Il fait briller cette lumière-là pour quel but? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. C'est quoi cette connaissance de la gloire de Dieu? Ça se trouve où? Ça se trouve sur la face de Christ. La Bible dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La connaissance de la gloire de Dieu, ça vient lorsque la lumière brille dans ton cœur. Tu as la compréhension de la parole. Ça brille dans le cœur. Alors directement, cette connaissance de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la face du Christ. C'est pourquoi j'ai dit la lumière que Dieu fait briller dans le cœur des enfants de Dieu doit venir d'abord de Christ. Et cela est activé par la connaissance de la gloire de Dieu. Cette connaissance est là. C'est la face du Christ. Donc, cela veut dire que si nous voulons que la lumière brille, cette lumière-là, ça doit concerner que la connaissance de la gloire de Dieu. Et la connaissance de la gloire de Dieu n'est pas une autre personne. Ce n'est que la face du Christ. Cela veut dire l'identité du Christ, la personnalité du Christ, la personne du Christ. C'est ça, en fait, le but de la connaissance de la gloire de Dieu. Pas autre chose. Cette lumière là, c'est pour nous faire entrer dans la connaissance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on connaît la. Voilà pourquoi dans Osée 3, 6, la Bible dit connaissons, cherchons à connaître Dieu. Sa venue est certaine. Il viendra sur nous comme la pluie qui arrose toute la terre. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour vous. Lebro Saba Karababa. Où sont les sujets? Grâce pour être protégé contre toute forme de séduction. Je ne vois pas de sujet. Oh, encore connexion. Connexion fait défaut. Ok, ça va. Levez les mains, je vais prier rapidement. Merci de votre patience. Et levez les mains simplement. Laissez-moi prier pour vous rapidement. Élevez les mains simplement, laissez-moi prier pour vous. Mon sujet, raviver ma vie de prière et de consécration à Dieu d'Ad. Je désire une communication plus étroite avec le Saint-Esprit, être un et satisfait éternel. Là, c'est Kona, Franck. Allez, dernier, restauration de mon ministère et de ma vie de prière. Merci, c'est fait. Qui a encore un sujet? Ok, tout est là. Élevez le main, s'il vous plaît. Tous les sujets que vous avez écrits, ça va arriver rapidement. Élevez les mains, la gloire de Dieu va descendre maintenant. Élève les mains, la puissance de Dieu va toucher des vies maintenant. Quelque chose va arriver, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va rafraîchir, le Seigneur va enflammer. Tout ce qu'il vous dit, c'est de croire.
Vous devez tout simplement croire. Merci de votre patience. Bientôt, nous sommes déjà 0-1. Élevez simplement les mains. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Élevez les mains. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Nous avons pris tout le temps. Élevez les mains. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Et quelque chose est en train d'arriver maintenant. Peut-être vous avez fait beaucoup de temps, beaucoup de semaines, beaucoup de mois. Vous n'avez pas senti la présence tangible de Dieu. À l'heure où je suis en train de parler, vous commencez à sentir cette présence tangible de Dieu. Que la lumière de Christ brille dans vos cœurs et qu'il exalte la face de Christ qui est la connaissance de la gloire de Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu, ils sont deux. Vous avez passé des moments de doute et cela vous fait même peur. Vous êtes deux. Le Seigneur vient enlever cette doute. Vous allez recevoir la foi qui va changer votre vie maintenant. Élevez les mains, quelque chose est en train d'arriver. Il y a d'autres personnes qui luttent par la voie de la culpabilité. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le diable veut vous tenir enchaîné afin que vous n'avancez pas, afin que vous ne voyez pas ce qui est devant. Libérez-vous de ces sentiments-là. Regardez devant. Il y a des choses qui se passent. Vous allez sentir la joie dans votre cœur maintenant. Que tout le monde maintenant lève la main. Tout ce que je viens de dire, ça arrive. La gloire de Dieu tombe comme la pluie. Et cette gloire est souveraine. D'autres même ils vont rester dans la prière jusqu'à 10 heures du matin. Parce qu'ils ne s'en débarrassera pas de ces chaleurs qui vient de leur couvrir. Je suis en train de voir un grand jardin enflammé. Des herbes secs. Le Seigneur est en train d'enflammer et le feu va se propager. Ça serait tellement fort. C'est la flamme de la grâce. La flamme de la grâce. La flamme de la grâce. N'attends pas que je prie. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose arrive. La flamme de la grâce. La flamme de la grâce. La flamme de la grâce. C'est le temps que tu as longtemps entendu, le temps de la restauration. Tu seras restauré. L'onction que tu as perdue, ça fait beaucoup d'années, ça va revenir sur toi maintenant. Je suis en train de voir la corne et on met de l'huile dedans. Le Seigneur va te restaurer de la corne, de la vigueur du buffle. Cette puissance qui va dégénérer. Une grande accès dans la gloire de Dieu. Ouais, le Seigneur est en train de oindre fortement. D'autres sentent la fraîcheur dans leur front. Le Seigneur est en train de oindre fortement. Rebo abakarabro santa braka yabo sakate. Shushamba kate kereke apakariato. Soria bara satakinda rekoko. Quelle onction!
Shambarada kinte le bebe 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 bebe. Oh, Shambaraza brada la bavara brada la bibaba. Le Seigneur est en train d'installer sa tente de gloire. Arabrada laba. Bienvenue, alléluia, sous la tente de la gloire. Alédakra papa. Bienvenue sous la tente de la gloire. Rebaousabrataka. Bienvenue dans le lieu secret. Kentambrasalakata. Là où nous sommes couverts par le plume. Alléluia des dieux. Shikabarakalabawasambrakate. Le kente kalijo rakata. Paleja. Bienvenue dans le lieu secret Sambakataka. Là où il n'y a point de doute. Pereakaraba. Là où il n'y a point d'égarement. Oh Shabala. Rakala ketele gazambranto le marakate. Oh roi Kamaria de Rekayaba. Le sang de Jésus t'a préparé une place. Erebabababababababa. Sous le sang de Jésus. Kereababa, la nuée de gloire te couvre maintenant. Sous le sang de Jésus-Christ, la nuée de gloire commence à couvrir des vies. Sous le sang de Jésus, la nuée de gloire commence à affecter. Sous le sang de Jésus, la nuée de gloire commence à envelopper. Sambrenda, sakerebobobobobobo. Que ton cœur s'ouvre maintenant pour voir la gloire de Jésus. Et tu seras transformé de gloire en gloire. Rakebaya. Nous sommes transformés à la mesure dans laquelle nous voyons. Karaba zotekerema. Nous sommes transformés par les degrés, alléluia, par laquelle nous contemplons des rayons de lumière. Rekemarazodoka. Plus profond est des rayons de lumière, plus grande sera, alléluia, ta transformation. Palaise, ligabara krosotoka. Quelqu'un sera exposé devant les rayons de la face de Christ Jésus, qui est la connaissance même de la gloire de Dieu. Tu veux connaître la gloire de Dieu? Tu veux connaître la gloire de Dieu? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, personne ne peut me voir. Il était qui? Moïse, il voulait voir qui? Nous avons la réponse. Nous avons la réponse ici. Nous avons la réponse ici. Kerebaya ou Sambre, nous avons la réponse ici. La connaissance de la gloire de Dieu qui est alléluia, la face de Christ. Nous avons la réponse. Nous avons la réponse ici. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 4 et 6. Mais à la maman, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Kerebaya. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Mere baya urta kere bobo soda. Yenda mbraya warabraka yabo sakata. Maradaka, vis la gloire de Dieu maintenant. Remoraba, vis la gloire de Dieu maintenant. Oh robaba, vis la gloire de Dieu maintenant. Cette gloire-là, shamaraba, cette gloire-là, c'est la connaissance de la gloire qui est la face de Christ. Vis cette gloire que Moïse avait dit, je veux voir ta gloire. Il dit, personne ne peut me voir. Rabayaka sakata. Oh, cette gloire consiste à contempler les rayons de sa connaissance. Ça te permet d'être transformé. Le rayon de la connaissance du Christ te fait voir la face du Christ. Plus fort tu vois la face du Christ, plus forte sera ta transformation. Plus large tu vois la face du Christ, plus large sera ta transformation. Dieu commence à transformer. Dieu commence à faire quoi? À transformer. Reba, sombra, kase, krete. Yuara terebreke yamosoda. Karabrada rababa. Oh rababa. Shamarababa. Erebori abraza rabrata laki. Omoro bababa. Zabrande. Sobranda rababa. Restez maintenant calme. Est-ce que tu continues à contempler? Est-ce que tu continues à contempler? Accède-toi à la connaissance de la gloire de Dieu, qui est en fait la face du Christ.
commence à mouvoir dans l'amour de Jésus-Christ. Commence à entrer dans sa profondeur, la profondeur de l'amour de Christ, la largeur, la longueur. Commence à être transformé profondément sans fin. Et que la nuée de la gloire, te change à jamais. Que la nuée de la gloire te change à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, je priais avec des actions de grâce. Cette gloire continue à descendre. Ça continue à descendre. J'allais terminer, mais la gloire continue à descendre. Le ciel est déjà ouvert. Ça continue à descendre. Et tu continues à être transformé. Tu continues, cette lumière brille dans ton cœur. Ça brille, ça met la compréhension de la connaissance de la gloire de Dieu. Et cette connaissance de la gloire de Dieu là, c'est la face du Christ. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Laisse-moi d'abord vous regarder. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Je vais terminer. Laisse-moi d'abord vous regarder. C'est fort. Laisse-moi d'abord vous regarder. C'est très fort. Qui voit la gloire de Dieu? Qui est sous cette gloire? Ça continue encore. Je vais arrêter, mais la gloire continue. Et les visages continuent à briller. La gloire continue et les visages continuent à faire quoi? Continuent à briller. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Que Dieu fasse briller la lumière dans ton cœur. C'est lui qui avait dit que la lumière soit. Qu'il fasse briller la lumière dans ton cœur. Soyez disponible maintenant. Ce que tu vas recevoir là, c'est la récompense des prières que tu as fait il y a des années. Ça, une dose, parce que c'est la gloire souveraine de Dieu, ce que je suis en train de faire là. Tu es dans la gloire souveraine de Dieu. J'ai ça, une forte puissance. Je voulais arrêter, mais il y a une forte gloire qui continue. Soyez connectés. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Que Dieu fasse briller la lumière dans ton cœur. Cette lumière qui a créé le ciel et la terre. Que Dieu fasse briller la lumière dans ton cœur. C'est quoi cette lumière-là? C'est pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ.
Cette lumière, elle a resplendi la connaissance et la gloire de Dieu. Cette lumière-là, c'est la compréhension de Christ. C'est la compréhension de la longueur, de la profondeur, de la largeur, de la hauteur, de l'amour de Christ. Ça, c'est le secret. C'est plus que des jeûnes et prières. Si tu commences à pénétrer l'amour de Christ, c'est plus que les jeûnes et prières. Si tu commences à pénétrer en instant, je suis en train de parler de l'amour de Christ, c'est plus que des jeûnes et prières, parce que cela t'amènera jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. La Bible dit, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toutes sortes de connaissances, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toutes les plénitudes de Dieu. On ne dit pas la plénitude, mais les plénitudes. Donc, Dieu a plusieurs plénitudes. Oh là 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 là. La plénitude de l'esprit de la sagesse, la plénitude de l'esprit de l'intelligence, la plénitude de l'esprit des conseils, la plénitude de l'esprit de l'éternel, la plénitude de l'esprit de la crainte de Dieu, la plénitude de l'esprit de la force. Kalebaya! Que Dieu fasse briller la lumière dans ton cœur, la lumière de la compréhension de l'amour de Christ. Et maintenant, je suis en train de voir, alléluia, la connaissance de la gloire de Dieu commence à resplendir. Ta vie resplendit la connaissance de la gloire de Dieu. Ta vie resplendit la connaissance. Cette connaissance, cela ne veut pas dire que tu connais la gloire de Dieu, non. Ce n'est pas ça. Cela veut dire que tu vis la gloire de Dieu. C'est ça la connaissance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ici, connaître Dieu ici, c'est connaître la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu commences à vivre. C'est-à-dire la gloire de Dieu n'est pas étrangère pour toi. La gloire de Dieu n'est pas une théorie, n'est pas une histoire. Mais tu as la connaissance de la gloire de Dieu. Oyebi kembo nanzan. Oyebi, ça veut dire que tu commences à habiter dans la gloire. C'est ça la connaissance. Kalanda la baya karabo. Chande, kraya mama 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 la kandeka la konesa ale ye 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 ye. Que tu connaisses la gloire de Dieu. Maintenant. Que ton cœur connaisse la gloire de Dieu. Que ton esprit connaisse la gloire de Dieu. Que ton corps connaisse les poids, les kilos de la gloire de Dieu. Que ton ministère connaisse la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Emmanuel Amos Kipupa, sur toi, la gloire de Dieu vient d'arriver terriblement. Attention, là où tu es, laisse d'abord ton téléphone. Attention, la gloire de Dieu vient d'arriver. Laisse ton téléphone un instant. Laisse d'abord ton téléphone, je suis en train de voir quelque chose. Laisse ton téléphone, Emmanuel Kipupa, ne fais rien. Lève les mains, reçois. Lebro sabar raba 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 wa secrete ke poria bara e jobra de le maraka tara babo sambranta. Je termine, je prie maintenant que la gloire de Dieu embrase tout le monde. Que le miracle passe. Prends ton miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, je priais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons fini. Bonne nuit. Merci de partager. Merci. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, soyez épargnés de la séduction, soyez épargnés de l'égarement, soyez épargnés de ces fléaux du temps de la fin où le diable cherche des enfants de Dieu pour les égarer, soyez épargnés. La gloire de Dieu continuera
à vivifier, à couler, encore sur vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Envoyez des témoignages, vous qui êtes touchés, envoyez des témoignages, vous allez vivre des miracles. N'oubliez pas, envoyez des témoignages. Je suis certain, des miracles se passent, je suis certain, la gloire de Dieu est là, je suis certain, il y a des grands témoignages, je suis certain, le feu de Dieu a passé. Que Dieu vous bénisse. Et ce live continuera à toucher, Nous allons le mettre sur YouTube pour toucher encore plusieurs personnes parce qu'il y a tellement de gloire dans ce live. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Restez bénis. Et que la faveur de Dieu reste sur vous au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ok. Restez bénis, continuez à commenter, continuez à nous dire ce que le Seigneur vient de faire dans votre vie. Restez bénis, encore et encore. Gloire à Dieu. Yes. Yes. Yes.